Alors, je m'appelle Olivier Privet et puis je suis cuisinier, je suis chef de cuisine de la gastronomie scolaire à la ville de Fribourg. C'est une charte qu'on a signée du fait qu'on voulait travailler avec des produits locaux, régionaux et puis par rapport à ce respect-là, de travailler vraiment le plus local possible, suisse, fribourgeois, et éviter de prendre n'importe quoi ailleurs, à l'étranger. Et puis, ça fait aussi partie d'un respect par rapport à l'environnement, au climat, à tout. C'est une alimentation où on travaille la région, ce qui est de saison, et puis aussi faire attention au plan climat, bas carbone, donc éviter d'acheter des produits qui viennent de l'étranger, sachant qu'il y a des produits qui viennent en avion, qui mûrissent dans des caisses. Donc ça, on évite vraiment un maximum. En achetant, par rapport aux achats, donc local, régional, suisse, et puis aussi en faisant attention aux appareils, l'utilisation des appareils. Les machines qu'on a là, c'est des machines justement qui sont très puissantes, mais qui consomment jusqu'à 30% d'énergie en moins. Et puis après, du fait d'avoir un véhicule électrique pour les livraisons, c'est toutes ces petites choses où on fait attention. Aussi le traitement des déchets, très important, tous nos déchets sont calculés, pesés, et puis revalorisés en biogaz dans le canton de Fribourg. Par rapport déjà aux saisons, puis après par rapport au fait qu'on a signé aussi le label Fourchette Verte. Donc c'est déjà deux fois par semaine végétarien pour tout le monde. Mais après on doit aussi regarder qu'est-ce qu'aime un enfant et puis les produits, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on nous propose. Puis ça vient en discutant avec mes collègues. Il y a des jours les menus ça va tout seul, puis il y a des jours ça prend plus de temps. J'ai par exemple deux bouchers à la ville qui me proposent d'un coup des produits et puis je m'adapte aussi par rapport à ça. Après, j'ai un retour des enfants, des accueils, savoir s'ils ont aimé ou pas. Au bout d'un moment, on a un certain réseau. Mais déjà, mais même avec la charte cuisine de notre région, Terroir Fribourg, on peut avoir des aides, trouver des fournisseurs, des nouveaux fournisseurs. On nous en propose. Ils viennent aussi des fois nous voir, en fait, pour nous proposer des produits. Et puis, c'est vraiment tout un réseautage qui fait qu'on trouve de bons produits. À moi, c'est le fromage. Lequel? La fondue. Moi, personnellement, c'est faire aussi attention à comment on mange à la maison, par rapport aussi aux saisons, régionalité, et puis traitement des déchets. Je fais super attention. Minimum de gaspillage. Ça, je pense, c'est important.